I'm wishing on a star. Bien chers tous, vous devez vous demander ce que j'ai bien pu faire durant ces derniers jours. J'ai été bloqué suite à une entorse importante, aussi j'ai dû séjourner au pavillon royal de chasse qui se situe au cœur de la forêt désenchantée. Dans quelques jours aura lieu le couronnement, je vous conseille donc de continuer les préparatifs tout en m'attendant, je serai présent pour le grand jour. Amitié à vous tous, Prince Wendell. Dieu soit loué, il est en bonne santé. Oui, ainsi tout s'explique, mes amis. Cela n'explique rien du tout. Pourquoi le prince ne fait-il pas référence à l'invasion du roi des trolls? Il n'est peut-être même pas au courant de cette invasion. Il doit souffrir atrocement de son entorse. Le roi des trolls a eu l'audace de défier Wendell de le battre en combat singulier et pendant ce temps, il massacre les habitants du quatrième royaume et on ne fait rien pour l'en empêcher. Il nous faudrait un plan. Nous avons un plan. Voici mon plan de table. Dans 3 semaines, la cérémonie aura lieu et nous n'avons toujours pas choisi la décoration. J'ignore même quelle est la tenue que portera notre prince. Je dois le savoir pour l'harmonie des couleurs. Je m'inquiète pour Wendell. Je vais me rendre au pavillon de chasse sur le coursier le plus rapide du royaume et j'informerai Wendell du défi du roi des trolls. C'est une excellente idée. Une dernière chose. La reine est toujours en fuite. Elle a des espions à chaque coin de rue. Rien de ce qui a été dit dans cette pièce ne doit en sortir. Entendu? Oui, c'est entendu. Nous devons envisager une action militaire. Sinon, nous serons perçus comme des lâches incapables de prendre une initiative en l'absence de Wendell. Cela faciliterait peut-être les choses si nous envisagions une... Convoque mon chasseur. Nous avons de gros problèmes. Les conseillers de Wendell ne croient pas à ma lettre. Un de ses hommes est en route pour le pavillon de chasse. Il ne doit pas en revenir. Entendu, je m'en charge. Oui, si vous avez enlevé vous, ça aurait été moins grave. Mais Virginia, aurais-je perdu l'unique amour de ma vie? Arrêtez avec l'unique amour de votre vie, vous n'êtes ni plus ni moins qu'un ex-tolard. Et si on a des problèmes, c'est pas votre faute. Changez de ton avec moi, sinon je vous mords sans la moindre hésitation. Vous voulez bien me lâcher une minute? Je commence à n'avoir pas vos calabres. C'est compris. Chut, écoutez. Halt! Qui va là? Excusez-nous, noble bûcheron, mais avez-vous vu une ravissante jeune fille avec de très longs cheveux? Non, je suis aveugle. Je ne vois personne. Comment faites-vous avec les bûches? Est-ce que vous avez déjà vu un rondin bouger? Hein? Tenez. Quoi? Regardez sa hache. Ne serait-ce pas par hasard la fabuleuse hache magique avec laquelle on tranche tout ce qu'on veut? Ça se peut. Combien en voulez-vous? Oui, combien? Je vous donne bien volontiers ma hache magique, si vous devinez quel est mon nom. Mais votre ami devra poser sa tête sur le billot qui est là. Et si vous ne trouvez pas mon nom avant que j'ai terminé de couper tous les rondins que j'ai entassés dans cette charrette, alors je lui trancherai la gorge. Il veut trancher ma gorge? Non, qu'est-ce que vous avez tous? Ça n'est pas possible, ça. Est-ce que vous avez tous l'esprit plus tordu les uns que les autres? Certains se contenteraient de dire « quelques pièces d'or feront l'affaire ». Non, ici, c'est « pendez-moi d'abord un œuf magique » ou alors « allez arracher les poils du nez du géant vert ». Est-ce que vous voulez la hache? C'est oui ou non? On va continuer à chercher Virginia. Quoi? Je connais son nom, n'ayez crainte. Je vous dis que je le connais. Nous acceptons? Non, attendez, vous ne pouvez pas accepter. Restez, mon nom. Ça va aller, ça non, va aller. Je refuse. Je vous jure que je connais son nom. Vous allez voir. C'est très bien.
Installez votre tête sur le billot. Voyons ce que votre ami a trouvé. D'accord, je le fais, mais c'est pour Virginia. Oui, oui, pas de panique. Bon, allons-y. Ça vous empêchera de vous enfuir. Je connais son nom, n'ayez pas peur. Allons-y, monsieur, je n'en ai pas l'air, mais je peux couper du bois. Votre nom est Rumpel le Rouquin. Non. J'ai dit Rumpel le Rouquin. Oui, mais il a dit que c'était pas ça. Cherchez encore. Rumpel le Rouquin Junior. Rumpel le Rouquin Troisième. Non. Est-ce qu'il y a un Rumpel dedans? Je vous en prie, laissez-moi partir, je vous assure que... Où est le chien? De quel chien vous parlez? Je ne veux pas répéter la question. Je crois qu'il est mort. Je suis sûr du contraire. Est-il blessé? Où est-ce que tu le caches? Tu tirais quelque chose monté sur des roues. Cela dit, les traces étaient beaucoup trop profondes pour qu'il s'agisse de ce chien. Pour ce qui concerne les deux autres, ceux qui t'accompagnaient, est-ce qu'ils vont te chercher? Non, ces deux-là se moquent bien de moi. Ils vont te chercher, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont armés? Oui. Aucune arme sur eux. Tom! Dick! Van Dick! Froid! Froid. Alors, c'est Elvis! Elvis! Non. Frankie? John, Paul, George, Ringo! Ringo! Vous refroidissez, cherchez encore! Ah, c'est pas simple! Bon, très bien, écoutez, donnez-moi un petit indice, d'accord? Oui, un petit indice! Cédric, quel plaisir aurez-vous de le tuer? Ben oui! J'éprouverai un grand plaisir, je le reconnais. En fait, je dois vous dire que trancher à coups de hache, c'est ma seule raison d'être. J'ai vu le jour dans cette forêt. La première fois que j'ai vu la reine, j'étais encore forestier. Elle est venue dans mon village. Elle avait arrêté sa partie de chasse afin de désaltérer ses chevaux. Elle a souhaité me rencontrer. Et alors elle m'a montré ceci en me disant « Lorsque cette arbalète envoie une flèche, elle ne peut arrêter sa course qu'après être entrée tout droit dans le cœur de votre ennemi. » Elle ne rate jamais sa cible. C'est alors que je lui ai dit « Comment dois-je faire pour gagner cette arbalète, votre majesté ?» Elle a dit « Il vous suffit de fermer les yeux et de tirer dans la direction de votre choix, et elle sera à vous. » Alors je l'ai fait. La flèche est partie tout droit, comme si elle connaissait son chemin. Elle a parcouru plusieurs lieues à travers la forêt, avant de tuer un enfant qui jouait dans la campagne. Je n'ai pas oublié le visage de la reine. Quand je me suis aperçu que c'était mon fils que je venais de tuer, elle m'a dit « Je vous choisis pour devenir mon chasseur personnel. » Alors tu comprends, la chasse est toute ma vie et c'est mon seul plaisir. Lorsque je dois tuer, je ne ressens aucune pitié. Non. Et après tout, qui nous dit que vous ne mentez pas à propos Mais de votre oui, nom? Mais oui, il a raison, j'ai peut-être déjà donné votre nom. Vous n'avez pas deviné mon nom. Je peux vous l'assurer. Dans ce cas... Mon nom est dans mon chapeau. Oh, vous avez entendu, Tony, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? J'ai peut-être perdu la vue, mais j'ai Louis Finn. Alors si vous faites un pas de plus, je n'hésiterai pas à trancher la gorge de votre ami. Oh. Oh. Vous êtes pervers. Ah oui, il est pervers. Vous avez déjà fait ça à d'autres gens? Oui, des centaines de fois. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le pourcentage de réussite en règle générale? Jusqu'à ce jour, aucun n'a réussi. Oh! Votre Majesté, êtes-vous là? Votre Altesse?
prince Wendell. Est-ce que vous êtes là? Mais qui est cette reine? Vous servez encore cette femme, bien qu'elle vous ait fait tuer votre propre fils? C'était mon destin que de tuer mon fils, et c'était le destin de la reine de me le demander. Vous êtes cinglé. Et tout le monde dans ce royaume étrange est rongé par la folie! Tout ce qui doit se produit, et nul n'y peut rien, puisque notre vie est toute tracée. À présent, je dois te tuer, c'est mon destin. Qui es-tu? Je ne suis personne, je jure que je ne suis personne. Je vais devoir te tuer. Une autre tâche m'attend. Je dois m'en aller, mais nous continuerons notre discussion un peu plus tard. Le maniaque des bois? Oh, je vous l'ai dit. Vous ne devinerez jamais. Oh, oh. Attendez. Dépêchez-vous. Mais oui, c'est ça, ça me revient, l'esprit. Je n'ai bientôt plus de bois. Encore une petite seconde, s'il vous plaît. Oui, ça revient, là. Trop tard. Hein? À présent, votre ami va perdre la tête à cause de vous. Comment? Une minute. Juliette! Hein? Et Wolf, et dis-leur où je suis, qu'ils viennent me délivrer. Au revoir. Ah, qui aurait pu penser ça? Juliette le bûcheron. Vous savez, ça n'est pas étonnant qu'il soit devenu un vieux sadique, parce que... Vous deux, on va? Encore un de ces oiseaux bizarres. Ouais. Je sais où est Virginia. Où est-elle, ça? Elle est dans un arbre qui n'est pas un arbre. Dans un endroit qui n'est pas un endroit. Ah oui, 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 oui. Est-ce que tu veux bien arrêter une minute et nous conduire jusqu'à elle? Oh, non. Il faut le suivre, dépêchez-vous! Virginia est dans cet arbre! Au revoir! Oh, allons-y, venez! Mais comment a-t-elle pu entrer dans cet arbre? Virginia! Virginia, vous êtes là? Wolf! Ah, c'est elle! C'est elle! Comment peut-on entrer? Il doit y avoir une ouverture! Allons-y! D'accord, une ouverture. C'est sans doute une porte secrète! Hey. Cherchez! Mais où ça? Je ne vois rien du tout! Oh. Non, rien du tout! Mais cherchez! Je ne vois aucune entrée, il n'y a aucune porte! Oh, s'il s'agit d'une ouverture magique, il va nous falloir des semaines! Chérie, écoute-moi! Pourquoi tu ne viens pas nous ouvrir de l'intérieur? Mais parce que... je suis enchaînée, je ne peux pas bouger d'où je suis! Vous ne pouvez pas monter à l'arbre! Non, le tronc est trop lisse! Allez chercher une échelle, je sais pas, moi! Où va-t-on trouver une échelle? Attendez, si c'est une hache magique, alors je peux toujours essayer d'abattre cet arbre! Virginia! Puis-je vous poser une question? Quoi? Quelle est la longueur de vos cheveux? Je n'en sais rien. Disons qu'ils n'ont jamais été si longs. Non! Non! Excellente idée! Non! J'ai toujours eu envie de dire ça. Trésor de mes rêves, laissez choir jusqu'à nous votre douce chevelure.
Attention, prenez garde! Fermez les yeux! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a des pellicules! Non, c'est faux, j'en ai pas! Oh, mais ben, si on peut plus plaisanter sans qu'elle se fâche! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Ma Dulcine, et je peux enfin voler à votre secours! Notre histoire sera immortalisée par une chanson, ça ne fait aucun doute! Oh! Ah, bah ben, je viens de trouver un cheveu blanc! Ta-da! Ne marchez surtout pas sur vos cheveux. Ah oui, je sais. Virginia, ne bougez pas. Virginia! 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 Allez chercher la hache! Coupez-lui la tête! Faites quelque chose! Mettez-lui un coup sur la tête! Cognez-le! D'accord! Désolé! Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cette porte? J'ai trois coups assez critiques! Oh. Bah, tout de même! Virginia, est-ce que ça va? Oui. Où est-ce qu'on est? Est-ce que je peux le savoir? On s'en moque! Partons d'ici! Très bien. Non, attendez, on peut pas l'abandonner comme ça! Oui, vous avez raison. Allez, donnez-moi la hache. Je vais l'achever. Vous n'allez pas tuer cet homme? Bah, bien sûr que si, lui, il nous tuerait sans hésiter. La question n'est pas là, voyons, il est blessé. Oui, et c'est une excellente raison pour le tuer maintenant! Wolf, non! Oh, écoutez, il va nous poursuivre. Qu'est-ce qu'il voudra? Je refuse de tuer cet homme. Vous le regretterez, vous pouvez me croire. Bon, c'est bon, allons-y. Gentil toutou, je suis content de te retrouver. Viens, on va se promener. Alors? Quoi? La coupe de cheveux est finie? Je crois que j'ai eu la main lourde, je suis allé un peu trop loin. Vous voulez dire que... Mais qu'est-ce... Attention à ce que tu vas dire, je ne veux rien entendre. Vous lui avez coupé? Que voulez-vous? Je crois que vous cherchez les ennuis, mon cher. Je vais vous dire une bonne chose. La guerre est un jeu très amusant quand on n'a aucun ennemi. Je vous trouve très stupide, même pour le roi des trolls. Sachez que le royaume de Wendell borde tous les autres. Ils ne le laisseront pas tomber sans combattre. Les autres royaumes vont envoyer des troupes, et ils vous écraseront tous! Dans ce cas, je les tuerai tous. Je n'ai peur de personne, souvenez-vous-en, majesté. Écoutez-moi bien. Je vous donnerai tout ce que vous désirez, mais vous devez quitter Vintown. Maintenant! Vintown, c'est de l'histoire ancienne. Nous avons le contrôle de tous les villages à 30 km à la ronde à présent. Et je n'ai aucune intention de m'arrêter là. Je veux récupérer la moitié de mon royaume tout de suite. Vous comptez m'en empêcher, sans doute? Dites-moi que je rêve. Mais c'est le chariot d'Acorn. C'est lui qui est là, n'est-ce pas? Attends. Amenez Prince, vous! Oh. On a de la chance. Bonjour, Acorn. Bonjour. Tu ne m'as pas oublié. Anthony. Eh? Alors tu es sorti de prison. J'avoue que j'en suis très étonné. Acorn, où est notre miroir? Miroir. Ce miroir nous appartient. Il a de la valeur, peut-être? Mais... Non, il ne vaut rien du tout.
Vous avez pourtant fait un long chemin pour récupérer un miroir sans valeur. C'est un miroir magique. Virginia. Nous avons voyagé à travers ce miroir et depuis nous sommes coincés ici. Arrête, Virginia. Tu... Tout ce que nous voulons, c'est rentrer chez nous. Nous vous laisserons le miroir. Nous ne nous en servirons que pour rentrer à la maison. Et ensuite, vous en ferez ce que vous voudrez. Il sera à vous. Je suis bouleversé par votre histoire. Si vous êtes sincère, laissez-nous rentrer à la maison. Malheureusement, je ne l'ai plus. Un villageois me l'a troqué contre autre chose il y a à peine une demi-heure. Troqué? Mais enfin, tu l'as troqué contre quoi? Ah. Croyez sans doute que vous pouvez continuer de m'ignorer. J'ai changé. Et je ne suis plus du tout sous votre influence. Il vous sera difficile de m'atteindre. Oh, vous en êtes sûr? Ce soir, c'est la pleine lune, souvenez-vous. Votre sang commence déjà à bouillir. Vous êtes un loup. Que ferez-vous lorsque la lune sauvage vous fera signe? Résisterez-vous? Et que ferez-vous alors à vos deux nouveaux amis? Je pense que nous ne devrions pas aller dans ce village. Akon nous a dit que notre miroir était là-bas. Un loup agit par instinct, je ne serai pas tranquille. Comprenez-moi, ce sont des fermiers, et en général, les fermiers n'aiment pas les loups. Oh, ouf, pouf. Non, 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 je dois résister. On devrait prendre un petit déjeuner et réfléchir à ce qu'on va faire. On a déjà pris un petit déjeuner. Je veux un autre petit déjeuner! Est-ce que vous êtes ma mère pour me dire si je peux manger ou non? Vous devriez aussi me dresser la liste de toutes les choses que j'ai le droit de faire! Ce type est fou. Nous arrivons au village, alors la discussion est close. Faites donc ce que vous voulez. Virginia! Pitié, veuillez me pardonner. Je ne voulais pas être aussi grossier avec vous. C'est mon cycle qui arrive, vous comprenez? Une fois par mois, je deviens irritable et colérique et je cherche des noises à toutes les personnes qui m'approchent. Je connais ça, moi aussi. Je me montrerai parfaitement, parfaitement correct si vous réussissez à me tenir éloigné le plus possible de la tentation. Écoutez, je sais ce que vous ressentez. Ça m'arrive aussi parfois, mais... Oh, regardez tous ces moutons. Oups. Oh, ça devrait être interdit. Bonjour, mon nom est Sally Pip et je suis une bergère. Oh, héron, héron, petit patapon. Mon Dieu, c'est si rare de croiser des gars comme vous dans la région. Si ma porte n'était pas verrouillée, j'aurais peur que vous veniez dans ma maison. Et ouf, et pouf, vous me retireriez tous mes vêtements sans y être autorisée. Où vivez-vous, Sally? On y va, ça suffit. Bonjour mademoiselle. Bienvenue à tous en cette seconde journée du concours à l'Ontario. Aujourd'hui est un nouveau jour et nous allons assister à une nouvelle compétition. Vous avez vu? Celle des plus beaux radis du village. Madame Maurice, je trouve vos radis magnifiques. Ils méritent la note de 9 sur 10. Quant au radis de Madame Pip, je dois reconnaître que cette année encore, ils sont les plus beaux qu'on ait vus au village. Je ne peux pas moins faire qu'une note donnée 10 sur 10. Monsieur le maréchal Gordon, venez près de moi que je vous remette votre 9e récompense de la journée. Ils sont encore les pipes qui ont tout décroché. Ils sont toujours les meilleurs en tout, c'est écœurant. Mesdames et messieurs, dans une heure, j'annoncerai le nom de la personne qui a gagné le prix du meilleur fromage de tout le village. Moi,
Excusez-moi, pouvez-vous nous dire qui est le responsable ici? Je suis l'idiot du village et je suis seul responsable du puits des souhaits. C'est à croire qu'on a un aimant qui attire les types complètement dingues. C'est un bien joli chien que vous avez là. Sa tête me rappelle quelqu'un. Eh oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cadeau des villageois pour le prince Wendell. Une cape pour la cérémonie du couronnement. Je crois qu'il appréciera votre geste. Vous n'allez même pas faire un vœu? Vous savez que ça porte malheur de passer devant le puits sans s'arrêter pour faire un vœu. Hein? C'est dommage de gaspiller de l'argent. Virginia, vous êtes pingre parfois. Mais mon vœu va changer tout ça. Ça ne marche pas. Bien sûr. Autrefois, c'était un véritable puits magique. Et les gens n'hésitaient pas à voyager par-delà tous les royaumes afin d'avoir du bonheur à l'année. Aujourd'hui, le puits est asséché. Il n'y a plus d'eau depuis des années. Je suis chargé de m'en occuper. C'est mon travail de chaque jour. C'est une histoire fascinante que vous nous racontez là. En fait, nous, ce que nous cherchons actuellement, c'est un miroir à peu près de cette taille, noir. Et on nous a dit que quelqu'un avait acheté ce miroir à Acorn Lavorton. Je suis chargé de m'en occuper. Je dois surveiller le fond du puits au cas où l'eau referait son apparition. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je crois que cet homme est complètement idiot. C'est faux ce que vous dites. C'est mon papa qui était complètement idiot. Je dois assurer la succession. Vous savez, avec le grand concours annuel, tout est complet dans la région. Mais vous pouvez rester ici si vous voulez. Ce n'est peut-être pas très luxueux, je vous l'accorde. Ah. Quelle drôle d'odeur. Nous allons rester, merci à vous. Pardonnez-moi, connaissez-vous une personne qui aurait acheté un miroir que vendait un marchand ambulant qui est passé ici il y a quelque temps? Ah, vous devriez aller interroger le juge. Il a acheté plusieurs choses l'autre jour à ce drôle de nain afin de les offrir comme prix du concours. Il doit être à l'auberge qui est de l'autre côté de la rue. Ils servent une excellente nourriture dans cette auberge. D'ailleurs, les gens viennent de loin pour goûter leur cuisine. Merci. Qu'avez-vous? Des crampes. Oh, il faut que je me couche. Oui, je dois tout de suite m'allonger. Il faut que vous trouviez un gros lapin que je caresse pour me réconforter. Je voudrais un très gros lapin avec des longues oreilles. Tout de suite. Faites vite. Je trouve que vous avez beaucoup de fièvre. Les lapins ont l'air si innocents, on les croirait doux et gentils. Mais quelle erreur! Ils sont provocateurs avec leurs touffes de poils soyeux sur le dos. Regardez-le! Il sait très exactement où il veut en venir. Sous ses airs gentils, il est vicieux et narquois, il cherche la guerre. Vous avez vraiment le front chaud? Oh, c'est bon, arrêtez-vous maintenant! Vous n'êtes pas ma mère! Oh, mais arrêtez de me materner, d'être toujours là à m'étouffer. Avec vous, tout le monde est gentil. Vous aimez la terre entière. On dirait une sainte vouée au sacrifice. Sortez, laissez-moi tranquille. Changez de ton avec ma fille, sinon ça risque de chauffer, d'accord? Ça n'est pas vous qui allez... Venez, jolie bergère, approchez. Mais qu'est-ce... Je vais voir ce qui se passe. Toi, tu vas rester avec moi. Oui. Approchez, jolie bergère. Viens, chérie, suis-moi. C'est justement ce qu'il nous faut. Non. Ces pommes de terre sont... Est-ce que tu as goûté la courge? Ah oui, c'est absolument incroyable. Oui. Tu sais... Virginia, regarde le concours de demain. Et papa, regarde. Le miroir est un des prix du concours. C'est le concours du mouton et de la bergère. Il faut qu'on rencontre le juge. Oui. Venez, mes amis, allez-y, régalez-vous. Est-ce que le juge est arrivé à l'auberge? Le juge arrive pour le dîner chaque soir à 20h, jamais avant.
Je vous ai apporté d'autres légumes, vous verrez, ils sont délicieux. Oui, vos légumes sont absolument délicieux, surtout les fèves. Et le cidre, d'habitude, je n'en bois jamais, j'en ai pris 5 pintes. Il a été fait avec les pommes du jeune Colin Pipe, c'est mon neveu. Quant à ce délicieux mouton, il a été élevé par mon petit frère, Larry Pipe. Tout ce que vous mangez et buvez a été fait par ma famille. Les meilleurs fermiers qu'on puisse trouver dans le 9e royaume. Nous n'avons jamais été battus. Vous avez raison de vous en vanter. Quel est votre secret? Oh, eh bien, je suppose que nous sommes d'excellents fermiers. Alors, vous avez commencé sans moi, les amis. Ne devriez-vous pas être au lit? Au lit? Oh non, je me sens plein d'énergie, j'en ai à revendre, j'ai envie de croquer la vie. Qu'avez-vous fait du lapin? Quel lapin? Celui que je vous avais donné à caresser. Oh oui, je vois très bien. Je crois que ce lapin m'a faussé compagnie. Oh, vous avez un appétit de loup, à ce que je vois, jeune homme. Oh. Oh, mais au fait, je vous signale que le juge vient d'arriver, si vous voulez lui parler. Oh, merci. Merci. Ainsi, vous comprenez, cher monsieur, d'une certaine façon, ce miroir que vous venez d'acquérir est le nôtre. Oui, le nôtre. Ah non, pas du tout. Ce miroir a été acheté en bonne et due forme. J'achète plusieurs lots pour le concours annuel, afin de récompenser nos vainqueurs. Écoutez, votre honneur, je sais comment fonctionne ce genre de choses en général, alors est-ce que quelques pièces d'or suffiraient à vous convaincre? Oubliez ça tout de suite. Sachez que je n'aime pas qu'on tente de me corrompre. Ah non, mais ça n'est pas... Taisez-vous, je ne veux rien entendre. Si vous continuez, je vous fais jeter hors du village. C'est le joli mois de mai où les moutons gambadent. Olaï, 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 olaï. Vous devez être nouveau dans la région. Oui. J'ai quelques difficultés à ouvrir ce pot de verre. Il est coincé. Est-ce que vous voulez bien m'aider, monsieur? Oui, bien joué. Comment vous appelez-vous? Nous ignorons votre nom. C'est Wolfson. Wolfson? Warren Wolfson. C'est mon 18e anniversaire aujourd'hui. Mais je suis sûre que vous ne savez pas ce qui va m'arriver ce soir. Il y aura un bal, peut-être. Seigneur Jésus, quelle est cette protubérance que je vois derrière votre pantalon? Oh. Dites-moi, c'est quoi cette bosse-là? C'est très étonnant et très rare. Vous savez, je n'ai jamais vu ça. Très bien, je pense qu'il est temps que je vous quitte, car je n'ai pas terminé mon dîner. Sachez qu'il est interdit aux étrangers de parler aux filles Pipe sans autorisation. Est-ce que je suis assez clair? Qu'êtes-vous venu faire dans la région, monsieur Wolfson? Eh bien... Nous allons lui apprendre la politesse. Et après ça, il nous dira... Attendez un instant, excusez-moi, que faites-vous à mon époux? Quoi? C'est votre époux? Oui, il est très fatigué aujourd'hui. Je vais le ramener immédiatement à la maison. Merci, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Virginia, quand vous avez dit que j'étais votre mari, tout à coup je me suis senti fort je et tout en même temps. Je n'ai dit ça que pour sortir de ce traquenard. On s'en va, dépêchez-vous. Virginia, je me sens tout à coup rempli de vie. Oh, j'ai envie de courir, danser, sauter, crier ma joie. Oh, regardez cette lune. Elle me donne envie de hurler. Elle est trop magnifique. Ah oui, vous trouvez? Ma maman était obsédée par la pleine lune. Elle nous traînait souvent dehors. Et là, nous restions des heures à l'admirer. Une bergère passe dans la campagne, menant ses jolis moutons paître dans les champs. Cette superbe lune me donne envie de tout dévorer. Il est temps d'aller dormir. Bonne nuit à tous et à demain. Bonne nuit à demain. Oui, à demain. On se retrouve pour le concours. Quel repas, je suis régalé. Et le cidre, je n'avais jamais rien vu de tel. Il était sucré et goûteux. Dites-moi, ça vous dirait qu'on aille faire un tour? Écoutez, vous avez raison, je me sens responsable de ce qui vous arrive. Mais dans la mesure où c'est moi qui vous ai mis dans ce pétrin, je vais vous en sortir. D'accord?
Laissez-moi ici, je reviens. Alors, où est la demoiselle dont c'est l'anniversaire? Sais-tu pour quelle raison la famille Pip est toujours la meilleure lors des concours, Sally la bergère? Non, je n'en ai aucune idée. J'ai entendu parler d'un puits magique dans le village, mais je crois qu'il est à sec depuis longtemps, n'est-ce pas? Ah oui, voyez-vous ça? Eh bien, tu as 18 ans aujourd'hui. Je vais pouvoir te révéler ce que la famille garde secret. À vous de jouer, les garçons. Raison pour laquelle il n'y a plus de puits magiques dans notre village, c'est parce que mon frère et moi, nous avons détourné le cours de la rivière, il y a 40 ans de cela. Et aujourd'hui, 5 de la famille Pip profitent de la magie. Maintenant, montre-moi ton mouton. Cet animal est vraiment laid. Ce n'est pas avec cette bête hideuse que tu vas remporter le concours de la plus belle bergère. Que désirez-vous laver au cœur des eaux magiques? Fais don à ce mouton de ta générosité et de ton savoir-faire. Surtout, ne le dis jamais à qui que ce soit. Est-ce que tu as bien compris? Sinon, je te tranche la gorge. Que tu sois ou non ma petite fille, ça ne changera rien. Vous réalisez ce que vous avez fait de moi? Vous ne connaîtrez jamais un amour comme le mien. Je vous appartiens jusqu'à la fin de vos jours. Écoutez, Wolf, vous parlez de choses dont vous ignorez le sens, et je sais que... Et vous, qu'est-ce que vous savez? Vous jouez toujours les mademoiselles parfaites, celles qui lèvent la main et qui connaissent les réponses à toutes les questions, mais vous ne savez rien! Vous vous contentez de faire semblant de vivre, Virginia. Vous croyez tout savoir de la vie, mais vous ne savez rien! Chaque jour, vous me rendez plus fou encore! Arrêtez de me poursuivre, je n'aime pas ça du tout! Maintenant, allez dormir. Tout de suite. Sinon quoi? Vous pousserez des hurlements? C'est ce que font la plupart des gens lorsqu'ils voient un loup. Ils se mettent à hurler, ils hurlent, ils hurlent! Ah, oui, c'est ça, allez-y, attaquez-moi! C'est ce que font les êtres humains lorsqu'ils voient un loup. Ils le chassent, ils le piquent, ils le frappent, ils vont même jusqu'à le brûler! Ils ont brûlé mes parents sans hésiter une seconde! Le bon peuple, les gentils fermiers, ils ont fait un grand feu dans le village et ils les ont brûlés! Hé, hey, je viens de faire une grande découverte. Je sais enfin pourquoi les pipes gagnent toujours! Il a repris du poil de la bête? Tu as tout gâché! Tu as tout gâché! Maintenant, elle te déteste! Et tu sais pourquoi elle te déteste? Oh, c'est parce que tu n'es qu'un animal! Oh, dans le fond, tu n'as que le sort que tu mérites! Tu n'es qu'un sale animal! Oui, c'est ça! Tu n'es qu'un sale animal! Un animal! Oh. Mais où sont vos compagnons? Je n'ai pas du tout l'intention de vous parler d'elle! Elle? Oh! Oh. Ah. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est très goûteuse? Vous êtes le mal. Éloignez-vous de moi! Regardez la pleine lune et dites-moi ce que vous souhaiteriez vraiment faire à cette jeune fille. Laissez sortir le loup qui est en vous. Non! Évite de lui faire peur, j'ai mis 3 heures à le coincer. Pourquoi est-ce que tu as volé un mouton? La compétition de la bergère et du plus joli mouton, tu as déjà oublié? Mais si, autrement, nous n'aurons plus qu'à dire adieu au miroir. Non, c'est absurde, je n'ai rien d'une bergère, je suis serveuse et je ne connais rien du tout au mouton, tu le sais bien. Mais ça ne fait rien, voyons, c'est là toute la beauté de mon plan. En plus, ce mouton est laid. Pour l'instant. Il ne gagnera rien. On dirait qu'il est sur le point de mourir. Ça ira mieux après un séjour dans le puits magique. Toi, pendant ce temps-là, tu vas t'occuper de ton costume. Et moi, de faire faire un plongeon au mouton. Mon costume? Ben oui. Oui, tiens, regarde. Qui croira qu'à une autre époque, c'était des rideaux? Allez, dépêche-toi et surveille Prince.
Bonjour. Vous vous sentez comment? Oh, c'est pas très bien. J'ai la sensation que tout est flou pour le moment. Aidez-moi, j'ai besoin de combattre ce que je suis. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Vous feriez mieux de m'attacher afin d'éviter que je m'échappe. Je ne veux pas vous attacher. Vous allez m'attacher pour m'empêcher de m'échapper. Arrêtez vos questions, c'est compris? Oui. Plus serré. Encore. Encore. Si je me débat, je peux me libérer. Serré encore. Quelle est la pire chose que vous ayez faite? Serrez encore. Sinon, je vais vous manger. Allô? 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 Oh non! Il a tué tous nos jolies poulettes! Il les a tous massacrés! Ah! Assassin! Vous devez tuer cette fille. Non! Non! Rapportez-moi le chien. Exécution. Suite au scandaleux massacre de poulets qui a eu lieu ce matin dans la ferme de Monsieur Pipe, je vous annonce que par sécurité, nous avons avancé le concours de la plus jolie des bergères. La gagnante recevra ce magnifique trophée, ainsi que ce vieux miroir que vous voyez là. Ici. Vous ne faites pas partie du village. Rentrez chez vous, sale peste. Sinon, vous le regretterez. Qu'est-ce que vous faites? Regardez. Mais son nom. Regardez, mais son nom. Oh, le culot. Il est gentil, le bouton, là. Ah. Un bon bain de jouvence te fera du bien. Allons-y. Que désirez-vous laver au cœur des eaux magiques? La même chose que les filles. Je veux que vous fassiez de cet animal un superbe mouton. Il est temps d'aller tremper dans le puits de la fortune. Bon, nous avons donc trois candidates. Oh mon Dieu, si je m'attendais à ça. Eh ben, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Alors, où est votre mouton, mademoiselle? Ah, oh, il sera là dans une seconde. Elle n'a pas de mouton, cette fille ridicule. Je vous assure que j'en ai un, il est resté. Enfin, il est à la bergerie. Bon ben, allez le chercher, jeune demoiselle, et revenez rapidement, sinon je serai dans l'obligation de vous disqualifier. À présent, j'annonce l'ouverture de la compétition. Et comme le veut la tradition ancestrale, chaque jeune fille présentera son plus joli mouton et chantera sa chanson de bergère préférée. Jeune Marie Ramelet, est-ce que tu veux bien commencer? Vas-y, Marie! Bé, bé, fais le noir petit mouton. Chérie, papa, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est le mouton qui va remporter les miroirs. Papa, c'est ridicule, je ne connais pas de chansons sur les moutons. Oh,
Bébé, petit mouton. Non, elle est en train de la chanter. Eh bien, dans ce cas, je n'en sais rien. Choisis n'importe quelle chanson. Tu n'as qu'à parler de mouton et ça marchera. Non, je ne connais aucune chanson. Je suis incapable de gagner Virginie, ce concours. Virginie, écoute ce que dit ton père. Si tu veux rentrer un jour à la maison, tu dois faire en sorte de gagner le concours des bergères. Jolie Popip a égaré ses bêtes et elle ne sait où les chercher. T'inquiète pas trop, elles seront là bientôt. Va danser et prends du bon temps. Oui, bravo. 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 Ah, oh. Ah, regardez son mouton là. Voilà, j'ai déjà vu ça vous. Elle a un mouton. Et maintenant, j'appelle la candidate numéro 3. J'espère qu'elle sait chanter au moins. On va voir ça. On dirait que Sally est jalouse. Là, écoutez-la. Elle va chanter. Buddy est un gros mouton blanc, mais il bêle toute la journée. Si tu veux devenir un gros bélier, alors vas-y, Buddy, secoue-toi les puces. Si tu veux faire craquer toutes les brebis, chantons on va le tondre. Chantez! Buddy est un agneau comme tous les autres agneaux. Il ne fait que bêler à longueur de journée. Mais un beau jour, je sais qu'il sera élu bélier de l'année. Je suis fière de Buddy. Chantez! On va le tondre. Bravo, encore! On va le tondre. Tu dois garder ton sang-froid. Il est temps, le temps pour moi de tuer. J'ai besoin de tuer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, quelle jolie journée et ce soleil. Pas de ça, non, tu dois te calmer. Tu es très serein et tu restes calme. Oh, tu restes serein. Tu dois rester très, très serein. Oh, je suis calme et serein. Oh oui. Trois merveilleuses jeunes filles et trois magnifiques moutons. C'est le concours le plus difficile qui m'ait été donné de juger depuis bien des années. Je donne à Marie la note de 8 sur 10. Elle obtient ainsi la troisième place du classement. Oh mon Dieu, ces deux moutons sont vraiment magnifiques. Je vais devoir prendre une décision. Eh bien, j'ai décidé de donner à Sally Pip la note de 10 sur 10. Seulement, je dois vous dire que j'ai l'intention de donner également à Virginia Lewis la note de 10 sur 10. Égalité? Il ne peut pas y avoir égalité. Vous devez nommer une gagnante. C'est moi qui dois gagner. Les filles pour toujours tout gagner. Si tu veux, je te laisse le trophée et je prends le miroir. Les deux prix sont à moi, tu entends? Elle n'aurait même pas dû être autorisée à participer. Oh non, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que vous avez donné 10 sur 10 à une étrangère? Cette fille-là n'est qu'une tricheuse. Vous devez donner le prix à ma petite fille. Reculez-vous. Je viens de vous dire de reculer. Maintenant, écoutez. Ceci est un concours de bergères, nous sommes bien d'accord. Aussi, nous allons organiser une course d'obstacles. Celle qui réussira à faire revenir son mouton et à le parquer dans le laps de temps le plus court sera la gagnante. Les jeunes filles utiliseront seulement leur chien de berger. Cette solution vous convient, Wilfred? Oui, mais ça devrait aller. Ouais. Non, écoutez, je n'ai pas de chien de berger. Dans ce cas, ça veut dire que je vais gagner. Non, sacré nom d'épi, pouvais-je trouver un chien de berger? Excusez-moi. Non, c'est bon, s'il vous plaît, taisez-vous, hein, laissez-moi réfléchir. Vous avez déjà un chien? Mais non, j'ai... Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, mais ce chien est... Mais oui, c'est ça. Je vous trouve absolument génial, sensationnel. Retenez, Virginia, je reviens. Puis magique des vœux, je t'en prie, utilise tous tes pouvoirs. Que ce soit ton nous ou n'importe quoi d'autre pour redonner vie à ce pauvre chien qui est prisonnier dans un corps en or pour toujours. Oh non, c'est encore vous. Chaque jeune fille doit se tenir au bout du village et ne peut utiliser que ses connaissances et son chien pour amener le mouton dans l'enclos. Est-ce que t'es prêt de Sally? Attention, ça va être à toi. Vas-y.
Vas-y! Qu'est-ce qu'il attend? On arrive bientôt à 30 secondes! Espérons que ça va marcher, Seigneur, s'il te plaît. Il faut qu'il y ait au moins un truc bien qui m'arrive aujourd'hui. Oh non! Mais pourquoi? Mouton dans l'enclos! Sally a réussi à obtenir un temps excellent de 85 secondes! Prince Wendell, réveillez-vous. Allez, debout, mon grand. Allez, on se réveille. Regardez, Prince. Allez chercher le bâton. Allez chercher. Oui. Oui. Bienvenue à vous, mon bon prince. Crétin. Mon mollet. Mais qu'est-ce qui vous a pris de me transformer en or? Mais voyons, je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait dans un moment de panique. Je voulais vous protéger des trolls. Anthony, vous êtes vraiment le serviteur le plus incompétent que j'ai jamais eu. Hein? Vous êtes un parfait imbécile. Est-ce que vous savez ça? Écoutez, Prince, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous, d'accord? Virginia, à vous de jouer. Allez! Viens, mouton! Viens, approche! Viens, mon joli mouton, approche! Dépêche-toi! C'est pas le moment de traîner! Viens, joli mouton! Allez, viens, mon mignon! Dépêche-toi! Viens, joli mouton, viens par ici! Allez, dépêche-toi! Dépêche-toi! J'en sommes déjà à 30 secondes! Allez, petit mouton, dépêche-toi, viens par ici! C'est pas gentil de traîner, allez, approche! Dépêche-toi! Tu vas devoir faire une croix sur la victoire. Sally est la grande gagnante! J'en sommes à 50 secondes! Avance, petit mouton rose, dépêche-toi, c'est ça! Allez, dépêche-toi, stupide bestiole! Quoi? Mais d'où il sort, cet animal? C'est pas normal! Allez-y, Prince, allez-y! On approche de 70 secondes! Dépêche-toi ou je te mords le derrière! Allez, entre dans cet enclos, espèce de boule de laine écœurante! Nous en sommes à 80 secondes! Un, mouton dans l'enclos! 3! Virginia, la bergère, est la grande gagnante de notre concours à Noël! C'était bien joué, je vous remercie, Prince Wendell. Venez recevoir votre prix, jeune demoiselle. Merci à vous tous, c'est grâce à un véritable travail d'équipe que nous avons gagné. Une personne seule n'aurait jamais pu réussir. C'est une honte, Wilfred, tu m'as menti, tu avais dit que j'étais sûre de gagner le concours. C'est cette petite sorcière qui t'a fait perdre. Elle a dû découvrir notre puits magique, c'est la seule explication c'est que je vois. C'est ta faute, tu m'as complètement ridiculisée, j'ai l'air d'une idiote aux yeux de tous les villageois. Je vais te le faire payer très cher, tu vas souffrir, Wilfred. Dépêchons, comment ça se fait qu'on ne voit rien? Je l'ignore. Non, je parlais à Prince. Parce que le système n'est pas enclenché. Il doit y avoir une manette secrète quelque part. Il dit qu'il y a probablement un bouton secret. Vous l'avez traversé comment la première fois? Il s'est mis en route tout seul. Ça ne doit pas être difficile à trouver. C'est vous qui le dites? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, c'est Central Park. Et le stade Woolman. Votre Majesté.
Miroir, un miroir, donnez-moi un miroir. Trouvez vite un miroir. À vos ordres. Cet homme n'est qu'un idiot. Il me cause beaucoup trop de problèmes. Je vais vous tuer, c'est compris? Dès notre prochaine rencontre, je vous tuerai. Cessez les hostilités immédiatement ou vous perdrez la guerre et vous pourrez dire adieu à ce royaume. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Ce royaume est à moi. Après la bataille, je m'occuperai de vous, diablesse. Regardez l'avance actuelle du roi des trolls. C'est terrible, il ravage tout le royaume. Tout ceci ressemble à une terrible épidémie. Les trolls ne sont sûrement pas assez puissants pour s'emparer de tout ce royaume. Ah oui, et qui va les en empêcher? Si vous refusez de voir la vérité en face, je vais vous la dire. Où se cache Wendell à l'heure où nous comptons tous sur lui? Où est-il? Vous le savez, il était censé accomplir un acte de bravoure préparé par nos bons soins avant son couronnement. Et alors que le royaume traverse une véritable crise, il s'enfuit en courant. Écoutez... Je suis désolé d'avoir à dire qu'il n'est pas digne d'être roi. Notez ce que je viens de dire. Vous entendez? Je vous demande d'en prendre Messieurs, note. Messieurs, veuillez me pardonner. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. De quoi s'agit-il? Le cheval du vicomte Lansky est revenu à l'instant de la grande forêt. Et il était seul. Écoutez, messieurs, je crois que cette fois, nous n'avons plus le choix. Je pense que nous devons accepter l'assistance militaire des 1er et 9e royaumes pour protéger notre peuple. Le prix de cette assistance est très élevé, je le reconnais. Ainsi, le 4e royaume sera divisé en quartiers et il sera dirigé par le conseil du 9e royaume. Et cela à perpétuité. Et Wendell n'aura plus aucune chance d'accéder un jour au trône et de devenir notre roi. Non ! Je trouve cette solution inacceptable. Écoutez, j'ai passé plus de 3 ans à régler tous les détails du couronnement de Wendell. Oubliez tout cela, vous devrez vous faire une raison, Lord Rupert. On n'a pas le choix. Ou on renonce à notre souveraineté, ou on dit adieu à ce qui nous reste. Brûlez le loup! Brûlez le loup! Virginia, il s'agit d'une terrible erreur. Écoutez, Wolf. À la maison. Oh, ouf, pouf, vous devez rester. C'est impossible, nous ne sommes pas d'ici. Oh, non. Et quel que soit le pétrin dans lequel vous êtes, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Oh. S'il vous plaît, arrêtez, c'est inutile. Je n'ai pas... Écoutez, quoi que vous disiez ou que vous fassiez, je ne resterai pas pour autant. Ah. C'est chez nous, prince. Oui, mais ce n'est pas chez moi. Et vous ne pouvez pas envisager la possibilité de partir tant que vous serez à mon service. Bon, que tout soit bien clair entre nous, votre Altesse canine. Je ne suis pas et je n'ai jamais été à votre service. Ah. Tu lui as annoncé la nouvelle? Oui. Enfin, en quelque sorte. Et comment ça, en quelque sorte? J'ai dit à Wolf... que j'étais tout à fait d'accord pour le représenter. Virginia, je nous devons... Je suis convaincue que Wolf n'a tué personne. C'est ce que toi, tu as envie de croire. Une jeune fille s'est fait assassiner aujourd'hui, et ça aurait pu être toi. Ce gars-là est un loup, et c'est ce que font tous les loups. C'est la première chose intelligente que vous dites, Anthony. Papa, nous avons le miroir. Nous rentrerons à la maison quand nous le voudrons. Non, nous allons rentrer sur le champ, avant qu'on soit transformé en cochon géant, ou en mouton rose, ou qu'on soit piétiné par des monstres. Qui sait ce qui peut arriver dans ce monde de dingue? Non, il n'est pas question que j'entre chez nous. Je ferai tout pour lui épargner le bûcher. Mais comme... Aide-moi à cacher ce miroir sous la paille, dans cette charrette. Je ne crois pas t'avoir jamais vu aussi entêté. Tu t'es transformé au contact de ce type-là. Tout n'aura pas été négatif, dans le fond. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Que veux-tu? Je n'avais pas le choix. C'est la tenue des avocats. Virginia, tu ne connais rien à propos des lois de cette région. Pire encore, tu ne connais rien aux lois tout court. J'aurais mieux fait de le représenter. Excuse-moi, qui t'a évité de payer une contravention et qui a pris une photo du parc-mètre brisé? Virginia, c'est d'un meurtre dont il s'agit. La justice est universelle. Oui, mais... Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Nous avons déjà perdu le procès par avance.
Je suis certain que le juge ne va pas m'épargner, il est contre moi. Voilà une phrase que je ne veux plus entendre. Vous êtes négatif et je déteste ça. Mais... Il reste encore les jurés et ils peuvent nous suivre. Tout ce qu'il faut, c'est... Oh mon Dieu. C'est pas moi. Veuillez vous lever pour saluer l'honorable juge. Je ne tire vraiment aucun plaisir dans le fait de devoir condamner cet homme à mort. Pour le terrible crime dont il est l'auteur. Objection, votre honneur. Nous ignorons encore si c'est lui l'assassin. Ouf. Très bien, alors. Plaidez sa cause et faites-le sans perdre de temps. Mesdames et messieurs, très chers jurés, brebis et béliers, lorsque vous quitterez cette salle d'audience aujourd'hui, j'aurai non seulement réussi à prouver que mon client est innocent sans que le moindre doute ne subsiste, mais... Aïe! Mais j'ai l'intention de démasquer le véritable assassin. Je me contenterai de... Un peu de thé avec un nuage de lait, une petite part de cake de rose et pipe. Merci. Regardez ce pauvre homme qui est devant vous. Est-ce qu'il a l'air d'un loup? Non. Mais il a le tort d'être un étranger. Et pour vous, étranger égale loup. Et loup égale assassin. Voilà ce que vous vous dites. Génial. Très bien dit, mademoiselle. Je crois qu'il est temps que la sentence soit rendue. Désolée, votre honneur, mais je ne fais que commencer. Je vais interroger mon premier témoin. Wilfred Pipe. Vous avez vu mon client courir à toutes jambes et fuir le lieu du crime, c'est exact? C'est exact, je suis sûr de ce que j'ai vu. C'était lui. Ça ne fait aucun doute. Non, c'était pas moi. C'est lui. Ah, c'est lui qui a tué. Brûlez-le. Brûlez-le. Je voudrais savoir si vous pouvez lire ceci. Bien sûr que je vais le lire, c'est facile, il est écrit. Entrée interdite par arrêté de notre... Merci. Maintenant, monsieur Pipe, j'aimerais savoir si vous êtes capable de le lire d'ici. C'est à peu près à cette même distance que vous dites avoir vu mon client s'enfuir à toutes jambes après avoir tué Sally. Il est dit que le conseil du village a procédé à un vote qui interdit l'accès du lot 714 en vertu de la loi 27A du code... Ah, ça suffit, je n'ai pas d'autres questions. Oh, quelle poisse. Il faut faire quelque chose pour aider cet homme. Non, Tony, c'est un loup. Vous vous attendiez à quoi? Il a fait exactement ce que j'avais prédit depuis le début. Mais Virginia croit en cet homme. Et moi, je crois en Virginia. Rien de ce que vous pourrez dire ne m'incitera à l'aider. Ouais. Vous voulez manger ce soir? Mademoiselle Pipe, quelle est votre profession? C'est simple, je suis bergère. Oh, vous êtes bergère. Ou allumeuse? Oui, c'est une allumeuse. Oui, sachez, mademoiselle, allumeuse. Que je suis une jeune fille honnête. Ce loup s'est approché de notre groupe sans crier gare et ensuite il a tenté de nous tripoter. Il nous a touchés. Il nous a même montré sa queue. Non, c'est faux, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elles m'ont provoqué. Elles vous ont provoqué à faire quoi? Provoquer à ne rien faire du tout. Mais ces filles sont des tentatrices. Mademoiselle Pipe, je déclare devant la cour que vous et Sally Pipe, vous étiez les deux jeunes bergères les plus faciles du village. Mademoiselle, seriez-vous en train de suggérer que deux innocentes jeunes filles du village ont embrassé des hommes avant d'être passées devant monsieur le maire? Voir un peu plus que cela, votre honneur. Vous abusez de ma patience. Si vous continuez vos insinuations, vous serez brûlé vive avec ce loup obsédé assassin. Aussi, je vous conseille de faire attention et de mesurer vos propos. Très bien, alors que sentez-vous? Je ne sens que vos odeurs corporelles. Arrêtez de dire des sottises, allez-y, vite, dépêchez-vous, voyons. Eh bien, faites-le, vous. Mettez-vous à quatre pattes et dites-moi ce que vous sentez. Il ne vous est jamais venu à l'idée qu'au niveau du sol, on ne sent que des odeurs de crottes et de pieds? Oui, et mis à part ça? Il y a des centaines d'autres odeurs, mon cher. Ah, oui, sans doute, mais seul un grand chasseur de votre envergure est capable de discerner sans difficulté cette odeur spéciale que nous recherchons. C'est exact. Vous l'avez? Bien, alors allons-y. Très bien, à présent, essayez donc de nous décrire Sally Pipe. Objection! Sally, oh, c'est une fille craquante en succulente. Je tiens un petit oiseau très goûteux et sans défaut. Oui, un véritable ortolan. Un ortolan qu'on a envie de croquer. Oui. Quoi? Non,
Non, non, je n'ai pas dit ça. Elle voulait que vous la croquiez, c'est ce que vous avez voulu dire, n'est-ce pas? Cette fille m'a tenté, elle a tout fait pour que je lui saute dessus et que je la croque. Non, je voulais dire ça. Je voulais dire que cette fille était une provocatrice. Et elle savait qu'un loup... Eh bien, c'est comme si vous donniez un steak à un homme affamé. Je vois ce que vous voulez dire. Oh non, non, je n'ai pas voulu dire ça non plus. Je raconte vraiment n'importe quoi. Il souffre de tension post-menstruelle, votre honneur. Oui, c'est ça, votre honneur. C'est comme elle vient de vous dire. La nuit qui a précédé le meurtre, un loup est venu attaquer un des poulaillers du village, tuant ainsi une dizaine de poules et de jeunes coqs. Oh. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec votre honneur? N'ayez pas tué cette volaille. Non, monsieur. Vous n'avez pas non plus approché ce poulailler. Oh, absolument pas, monsieur. Alors, comment expliquez-vous ceci? Je vous fais remarquer qu'il s'agit d'un morceau de votre chemise qui était dans le poulailler lorsque les pipes ont découvert la catastrophe. Oh, les poulets! Attendez, laissez-moi réfléchir. Oui. Oui, il se peut que j'en ai dévoré quelques-uns. Et ensuite, vous avez assassiné Sally Pip. Voyons, votre honneur, quelques petits poulets ne font pas de moi un assassin. J'en ai dévoré 2-3 au dîner, je l'admets, seulement je n'ai touché aucune jeune fille, je le jure. Alors pourquoi nous avez-vous menti? Oui, pourquoi leur avez-vous menti? Parce que si j'avais dit la vérité tout de suite, vous auriez tous cru que j'avais aussi dévoré la jeune fille. Ça ne change rien, c'est très exactement ce que nous croyons tous. Je suis innocent, je n'ai rien fait, je le jure, Virginia. Bien sûr qu'il est innocent. Je ne l'ai pas tué. C'est lui qui l'a tué. Je suis convaincue qu'il est innocent. Mais si ce n'est pas lui qui a tué Sally Pip, alors qui l'a tué? Oui, qui l'a tué, hein? Je me suis déjà posé la question. Moi-même. Oui, elle-même. Parce que je crois qu'à présent, il est temps pour moi de montrer du doigt celui qui a assassiné Sally. Parce que hier soir... il y avait un autre homme qui se promenait dans le village déguisé en loup. Oui! Cet homme, caché derrière un masque, est celui qui a tué Sally. Et aujourd'hui, c'est cet être ignoble qui devrait comparaître devant vous pour répondre de ses actes aux yeux de la justice. L'honneur d'être choisi pour jouer le rôle du loup lors de notre grande fête annuelle revient toujours à une personne irréprochable, un honorable membre de notre bonne société. Qu'est-ce que ça change? Appelez cet individu à la barre et laissez-moi l'interroger. Je peux vous garantir que vous aurez votre meurtrier. Lorsque ce grand honneur m'a été accordé la semaine dernière, je dois reconnaître que c'est avec une grande joie que j'ai immédiatement accepté. Je vous présente des excuses, votre honneur. Regardez, c'est l'étable des pipes. Attendez, inutile de vous précipiter. C'est bon, je suis déjà au courant pour la source. Et c'est de là qu'elle venait. Elle est passée ici juste avant de se faire tuer. Je reconnais bien son odeur. Ma présence, j'interroge les jurés. Vous avez entendu les témoignages plus ridicules les uns que les autres. Ça, il faut bien l'admettre. Seulement certains. Que ceux qui pensent que cet homme est innocent se rendent immédiatement dans l'enclos de gauche. Et que ceux qui le croient coupable se rendent dans l'enclos de droite. Allez-y, je vous en prie. Celui de droite est plein de nourriture, votre honneur. Il est plein de nourriture. Alors cette gitane avait raison. Une fille tuée, c'est un loup brûlé. Et même si Sally Pip venait effectivement d'ici, je ne vois pas ce que vous espérez trouver. Le puits? Quelqu'un a détruit le puits magique? Enfin, qui aurait... Silence! Je sens une nouvelle odeur. Je pense qu'il y a quelque chose de très important ici. Jeune homme, à l'unanimité, je vous déclare coupable du meurtre le plus odieux qui ait jamais été perpétré dans notre village. Aussi, je vous condamne à mourir brûlé. Vous serez exécuté dès aujourd'hui. Et que tout ceci soit réglé au plus vite, on n'a pas une minute à perdre. Le concours continue! Souvenez-vous de moi comme de quelqu'un d'honnête. Je n'ai pas tué cette jeune fille.
Il me semble logique que l'honneur revienne à la famille. Alors c'est à vous, Wilfred. Je vais allumer le feu. Attendez, arrêtez tout. Arrêtez. Arrêtez, ça n'est pas Wolf qui a tué Sally Pip et je peux prouver son innocence. Menteur, l'assassin. Ce gars-là vous raconte des salades. Non, arrêtez-vous, écoutez-moi. La famille Pip vous trahit depuis des années. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils avaient leur propre source magique. Ils ont détourné l'eau pour vous empêcher d'en profiter. Mensonge. Lorsque Sally a perdu le concours des bergères, elle a détruit la source, n'est-ce pas, Wilfred? Vous avez découvert ce qu'elle avait fait, alors vous l'avez suivie dans les champs et vous l'avez tuée, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est ridicule, nous n'avons jamais eu de source magique. Pourquoi croyez-vous qu'ils gagnent tous les concours annuels? Parce et pourquoi croyez-vous que leur nourriture est meilleure que la vôtre? Je veux bien croire, quoi. Vous, les pipes, vous nous trahissez depuis trop longtemps. Quelle est donc cette preuve qui, soi-disant, m'accuse d'avoir assassiné Sally? Oui. Où est votre veste, Wilfred? Celle que vous portiez hier soir. C'est la veste de Wilfred. Elle est couverte de sang. Pauvre Sally, ce n'est pas Wolf qu'elle a crié lorsqu'elle a été tuée. C'est votre nom qu'elle criait. Wilf. Non. Elle avait détruit la source. Oh. Et elle voulait nous dénoncer. Quoi? Elle avait détruit notre source magique. Tu as tué notre Sally. C'est lui qu'il faut brûler. Si vous aimez bien ça. Oh, mes chers amis, comment pourrais-je vous remercier de votre aide? Vous m'avez sauvé du bûcher. Oh, et merci à toi aussi, mon vieux. Tu vas avoir droit à un énorme nanas. Je suis quelque peu dégoûté que vous soyez encore parmi nous. Quelle idée ai-je eue de vous sauver la vie? Oui, à partir d'aujourd'hui, nous resterons amis pour la vie. Et en ce qui vous concerne, Virginia, je vous ai trouvé absolument splendide. Alors, vous êtes guérie maintenant? Ah oui, complètement, je suis redevenue moi-même. C'est parfait. Je ne me souviens pas vraiment de beaucoup de choses, il est vrai, mais je n'oublierai pas que vous et Tony, vous avez risqué votre vie pour me sauver. Oh, c'était très impressionnant, un vrai drame judiciaire. Quoi? Où est la charrette? Notre miroir. Mon fils John est allé vendre notre cochon au marché. Il est parti il y a quelques heures. Oh, quelle direction et quelle distance. Vous savez, c'est très loin et à pied, vous en aurez pour des heures. Non. Au revoir. Merci à vous. Allez, bon voyage. Au revoir. Alors, avez-vous apprécié votre séjour dans notre village? Pas exactement. Je n'arrive pas à me souvenir qui ce chien me rappelle, c'est étrange. J'ai peut-être une suggestion. Prince Wendell, votre dirigeant. Prince Wendell? Non, arrêtez de dire des sottises. Je me souviens, c'est un petit chien que j'avais autrefois, je l'avais appelé Monsieur Puce. Splendide. Monsieur Puce. Anthony, peut-on quitter ce village, voulez-vous? Un idiot dans le groupe me suffit amplement. D'accord, allons-y. Vous partez sans faire un vœu? Et si vous le faisiez pour nous? Ouais. Au revoir. Allons-y. Quoi? Quel est ce son étrange? On dirait que l'eau du puits est enfin revenue. Oh, quelle joie! Aïe! L'eau est revenue dans le puits des souhaits! Oui, j'ai gagné! Et je suis complètement idiot! Interrogez-vous sur les points suivants. Est-ce que vous contrôlez facilement vos émotions? Avez-vous le sentiment de tout faire pour les autres et ensuite de culpabiliser? Chaque jour, et en tout point, je deviens un homme nouveau et meilleur. Je suis à la dernière page du dernier chapitre de mon dernier livre. Et maintenant, je connais les femmes sur le bout des doigts.
j'ai perfectionné une technique qui consiste à ne plus passer mon temps à la regarder. C'est pas toujours facile. Je me débrouille pas trop mal. Je suis à l'écoute de mes émotions et je ne fais qu'un avec moi-même. Une seconde, je n'ai pas encore terminé cette page. Revenez ici. Je m'efforce de ne plus laisser pendre ma langue quand cette femme excite mes sens. Je me suis transformé en un homme nouveau. Et très bientôt, Virginia sera mienne. Comment épouser la femme de vos rêves? Je n'en ai plus besoin. Où sommes-nous exactement? Nous sommes dans le plus romantique de tous les villages des Neuf Royaumes. Nous sommes à Kissing Town, l'endroit où tout le monde est amoureux. C'est le destin qui nous a conduits jusqu'ici. Vous rêvez? Vous verrez. Oui, enfin, n'oubliez pas qu'on est venu là pour le miroir. Bonjour, j'ai passé la journée à vous chercher partout. Je dois vous annoncer que la fortune et l'amour seront au rendez-vous. On a de la chance. Tiens, ici aussi, ils ont le rideau du village. Wow. Grande histoire d'amour et très grosse fortune bien avant la fin de la nuit, le retour du soleil. C'est gentil. Lequel doit ramasser le pactole? Votre aura est assez nuageuse, donnez-moi quelques pièces pour les prédictions. C'est le fameux coup de l'aura nuageuse. Qu'est-ce que tu fais, Virginia? Ah oui, je vois, tu es le pigeon idéal. Ah oui, je vous remercie. Petit pigeon doux, ça fait les jus de... La crème des oiseaux. Maintenant, allez voir de ce côté, peut-être que vous trouverez ce que vous cherchez. Au revoir. Oh, regardez là-bas. C'est la charrette à cochon dans laquelle était le miroir. C'est bien celle-là, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle l'a su? Venez, dépêchez-vous, suivez-moi. Ah, attendez, c'est la vôtre? Où est le miroir? J'ignorais qu'il était à vous, je suis désolé. Dites-nous tout de suite vous où il est. Vous n'en voudrez plus, de toute façon, il est couvert de crottes de cochon. Vous allez nous dire où Écoutez, il est? Écoutez, je ne sais pas où il est. Quoi? Un gars m'en a offert 5 pièces ce matin. Comment ça, 5 pièces? Qui est ce gars? Quelqu'un qui passe ici avec une charrette pleine de bric-à-brac. Probablement un de ces brocanteurs. Un brocanteur? Vous ne le retrouverez plus, Anthony. Ah oui, le village ça... est plein de brocanteurs. Vous feriez mieux de vous séparer. Oui. Dommage, ça vous laissera un peu de temps pour une histoire d'amour. Du bric-à-brac. 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 Je vous dise, votre problème, c'est que vous n'avez jamais eu à travailler de toute votre vie. Mais que connaissez-vous des souffrances de la royauté? Je crois savoir que dans votre monde, vous n'étiez qu'un homme à tout faire. Hé, attention à ce que vous dites, d'accord? Ça ne me dérange pas d'être un homme à tout faire. Mais j'ai eu beaucoup d'argent à une époque, vous savez, j'étais très très riche. Vous? Riche? Et en effet, j'avais une usine de plastique très prospère. Je gagnais plus de 50 000 dollars par an quand j'avais 21 ans. Très bien, alors laissez-moi deviner, vous avez tout perdu? Non, j'ai voulu... Enfin, j'en voulais toujours plus. J'ai investi mon capital dans une invention qui a mal tourné. Quelle sorte d'invention? Château en caoutchouc. On avait celui de Robin et Marianne, celui du fou joyeux, ainsi que le château hanté. On avait le fort des cow-boys et des indiens, sans doute l'un des plus populaires. Et le zigzag, notre devise était, vous rebondirez toujours dans la vie. Oh, je vous en prie, Anthony, arrêtez, ça suffit. Oh mon Dieu, non, c'est impossible. Ce n'est pas très intéressant au niveau du travail, je vous l'accorde, mais est-ce que vous avez noté ce côté réaliste et vivant? C'est la rage figée. Ces statues vous intéressent? Pas le moins du monde. En fait, je suis plutôt à la recherche d'un miroir à peu près de ma taille et en bois noir. Attendez, il me semble avoir une antiquité de ce style. Elle est là-dedans. Ah oui, je vais voir ça. Allez, prince. Wolf, vous croyez vraiment qu'on va trouver le miroir ici? On devrait retourner au village. Vous vous souvenez de l'histoire où Blanche-Neige a croqué la pomme et que tout le monde a cru qu'elle était morte? Mm-hmm. Eh bien, les 7 nains l'ont amenée ici et ils l'ont déposée dans un cercueil en verre dans l'espoir qu'un jeune homme puisse rapidement la ramener à la vie. Dans cette ville? Oui, oui, c'était au sommet de cette colline. Le prince est arrivé et l'a embrassée. Oh mon Dieu, regardez!
c'est le vrai cercueil en verre. Oh. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai la sensation d'être très heureuse tout à coup. Oui, c'est étrange. Mais vous êtes très heureuse. Tout le monde est heureux à Kissing Town. Excusez-moi, excusez-moi. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Chut, évitez d'attirer l'attention. Regardez, il le vend 10 à 15 pièces d'or. Le prix n'est pas très élevé et personne ne sait ce que c'est. Il non, faut... ne le tournez pas ici, malheureux. Tout le monde va vous voir. C'est vrai, vous avez raison. Alors, qu'est-ce que vous en dites? De quoi, de ça? Oh, je dirais que c'est un vieux miroir sans valeur, une pâle reproduction, sans doute. J'ai cru aussi que c'était une reproduction datant du dernier empereur, au mieux, mais je peux vous assurer qu'il est plus vieux que ça. Oui, il est sans doute très, très ancien. Peut-être même qu'il date d'avant Cendrillon. Je vous assure qu'il s'agit d'un miroir spécial. Voilà, donc, Blanche-Neige est restée allongée ici pendant des années et tous la croyaient morte. Fermez les yeux. Essayez de respirer en douceur de façon à ce que votre poitrine ne bouge presque plus. Excellent. Alors, tous les jeunes hommes du royaume sont venus. Ils ont essayé de la ramener à la vie, mais aucun n'était assez bien pour elle. Vous comprenez? Jusqu'au jour où... un jeune prince est arrivé. Il était d'une beauté exceptionnelle à tomber par terre. Alors il s'est arrêté. Et il s'est dit... oh! Est-ce que cette fille est jolie? C'est elle que je souhaite épouser. Mais elle est si figée et si froide. Quoi qu'il dise, elle n'entendait rien. Elle gardait ce visage froid et résistait à ses appels. Alors tout à coup, il réalisa que la seule façon de réussir à faire fondre cette reine glaciale, c'était de poser un tendre baiser sur ses douces lèvres. Ainsi, il la ramènerait à la vie. Alors il s'avança. Hey, ah. Qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez que c'est le moment, vraiment? J'ai le miroir. Suivez-moi. Venez, il est au fond de la salle. Je suis sûr que personne... Mais qu'est-ce que... Enfin, il était là tout à l'heure. Et attendez, tout à l'heure, il y avait un miroir ici. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous voulez parler du miroir magique? Oh, quelle découverte! Nous sommes tous extrêmement excités à propos de ce miroir. Il est là-bas. D'accord, allons-y. Clou numéro 7, miroir magique. Ils en veulent 5000 pièces d'or. Où trouvez tout cet argent?